Tiens, après. Bon, les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme je l'ai dit dans le titre de la vidéo, je l'ai fait. Vous vous demandez sûrement de quoi je parle quand je dis je l'ai fait. En vrai, je vais le faire. Je vais enfin le faire d'ici la fin de la vidéo. Donc, je vais vous demander de rester avec moi jusqu'à la fin pour comprendre de quoi je parle. Pour que vous compreniez de quoi je parle, les gars, il va falloir que je vous montre le nombre de temps que je passe sur mon téléphone par jour. Et là, vous allez avoir le contexte et là, vous allez pouvoir comprendre pourquoi je fais ce que je veux faire d'ici la fin de la vidéo. Donc, attendez. Comment on fait pour voir le nombre de temps qu'on passe? Ok, voilà. Screen time. Ah, ça, c'est chaud, hein. Elle est actuellement 7h du matin. Regardez ça. Et regardez combien de temps je passe sur mon téléphone par jour. Donc, aujourd'hui, on est le 7. Juste aujourd'hui, là, j'ai déjà passé 2h53 sur mon téléphone. Ok? Juste aujourd'hui. Alors qu'il est 7h du matin. Ok? Bref. Il n'y a rien de choquant. Mais c'est choquant déjà. 7h du matin, j'ai déjà passé plus de 3h sur mon téléphone. Donc, sur 7h, j'ai passé 3h sur mon téléphone. Bon. On commence avec ça. Maintenant, hier, le 6 octobre, les gars. Regardez combien de temps j'ai passé sur mon téléphone. Oh! Donc, en soi, les gars, en un jour, faut pas oublier qu'on a 24 heures en une journée. Sur 24 heures, j'ai passé 12 heures sur mon téléphone. Et c'est pas des caps. C'est écrit ici. Attendez, iPhone de Big Juni. iPhone de Big Juni. La plupart du temps, je l'ai passé sur les réseaux sociaux. Vous pouvez voir ici, social. Donc, c'était soit TikTok, soit Instagram. Et pourquoi j'étais beaucoup sur ces applications-là, c'est parce que ça cause des Reels, en fait. Instagram Reels. Je scroll. TikTok, je scroll à longueur de journée sans arrêter. Et voilà quoi, les gars, 12h. 12h hier. Hier le 6, on va continuer. Avant hier, le 5, 11h26 sur mon téléphone. Et encore la plupart du temps, je l'ai passé sur les social media. Entertainment, je ne sais même pas c'est quoi ça, divertissement. C'est sur mon YouTube. Regardez des vidéos YouTube. Ça c'est voyage. Donc là, je pense qu'on faisait une longue route en voiture. Donc là, j'ai sûrement utilisé l'application de map pour pouvoir nous guider. Ça, ça compte pas vraiment. Le 4 octobre, les gars, 12 heures sur mon téléphone. Donc, le vendredi 4 octobre, j'ai passé 12 heures 16 sur mon téléphone. Encore 7 heures sur les réseaux sociaux. Le 3 octobre, j'ai passé 10 heures sur mon téléphone. 7 heures sur les réseaux sociaux. 59 minutes divertissement et 38 minutes créativité. Vous pouvez voir que mon screen time, ben screen time en anglais ça veut dire temps d'écran, il est un petit peu trop élevé à mon goût. Un petit peu trop. Je ne veux même pas dire un petit peu, il est très élevé. Très élevé. Donc, la décision que j'ai prise est de supprimer mes réseaux sociaux. Pendant un bon, j'allais dire 30 jours, mais je ne vais pas me donner un temps limite. Je vais juste supprimer mes réseaux sociaux et avoir du temps supplémentaire pour faire autre chose à la place d'être sur les réseaux sociaux. Parce que... les gars, on ne se rend pas compte, mais les réseaux sociaux font perdre, comme fait perdre énormément de temps. Et puis, à tous les jours, je peux perdre la moitié de ma journée en étant sur les réseaux sociaux ou sur mon téléphone. C'est pas énorme, ça? C'est pas énorme, ça? Et, ouais, le temps que je perds sur les réseaux sociaux, là, je peux l'utiliser pour pouvoir... Qu'est-ce que je peux faire à la place? Développer une nouvelle discipline? J'ai envie de l'installer, mais... Toi, tu peux pas. Bijou ne peut pas, en fait. Non, moi, je peux. Tu peux pas? C'est là-bas que tu communiques avec ton équipe de basket, mais moi, quand vous avez des matchs, des pratiques. Reels, des Reels. C'est à cause des Reels que j'ai envie de t'installer. C'est à cause d'Instagram tout court. Non. Parce que pas dire TikTok, c'est à cause de TikTok. Mais je texte avec mes amis sur TikTok. C'est que j'ai installé. Parce que TikTok, j'ai pas de trucs à texter. Mais là, Instagram, je peux t'installer. Je veux juste mettre ça sur Safari. Et Safari, ça va donner à quoi? T'as déjà fait ça dans le passé, t'as désinstallé Instagram pour dire que tu vas plus être sur les Reels. T'as allé sur Safari, mais tu continuais quand même à regarder des Reels. Oui, arrête-toi. Des fois, mais tu craquais. Rappelle-toi, tu vas craquer. Tu craquais des fois. Mais ah non, c'était même pas sur Safari, c'était sur YouTube. Rappelle-toi. Ah, c'est ça. Les gars, il a désinstallé Instagram. Après, il a désinstallé Instagram pour ne plus regarder les Reels et perdre son temps sur les réseaux. Qu'est-ce qui est entré en jeu? YouTube Shorts. Le conseil sur YouTube sort tous les jours là. Après, t'es comme Junior. Ça marche pas. Ça me suit partout. Je désinstalle Instagram. YouTube sort est là. Je vais désinstaller YouTube. Snapchat sera là. Parce que Snapchat aussi, il a commencé à avoir des reels sur Snapchat là. Quoi? Bref. Donc. Oh, Sira. Ouais. Parce que si je désinstalle Instagram, genre, qu'est-ce que je pourrais faire? Je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais faire de mes journées, genre? Justement, mais pour ma part, j'ai trouvé autre chose à faire que être sur Instagram et sur mon téléphone. C'est tout? Voilà la décision que je prends aujourd'hui, ce sera d'installer mes réseaux. Je vais le faire même devant vous. Je vais enfin le faire. C'est dur à faire. La plupart des gens ne vont pas réussir à faire quelque chose comme ça, d'installer leurs réseaux sociaux et ne plus être déçus. Mais moi, je vais le faire.
je vais le faire pour quelques semaines. Il faut que je prenne une pause de ça. Pas que genre, oh my god, il y a quelque chose de négatif avec ça, mais c'est juste pour pouvoir avoir plus de temps. Mais il y a quelque chose de négatif avec ça. C'est ça, ouais, c'est ça. Donc si je désinstalle, les gars, je pourrais avoir plus de temps pour faire, disons, des vidéos. Pour avoir plus de temps pour pouvoir aller à la salle. Apparemment, même une heure par jour sur les réseaux, c'est déjà beaucoup, hein, ça. C'est énorme. Et moi, je peux passer genre 5-6 heures par jour sur les réseaux. Ça, c'est énorme. C'est trop. C'est trop. Et ce temps-là, on ne peut même pas le récupérer. Comme le temps, c'est une des valeurs les plus importantes. Même plus que l'argent. Ok. Non, pour de vrai, je fais le philosophique là. Je fais le philosophe là. Non, mais c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Le temps est plus. Elle est une des valeurs les plus importantes. On ne peut pas le récupérer. On ne peut pas le payer. On ne peut pas payer le temps. Il faut faire bonne usure de son temps. Il faut faire attention avec son temps parce que le temps ne revient jamais, les gars. Et la plupart de nous, de cette génération-là, on perd tout notre temps sur les réseaux sociaux. Donc, je vais le faire devant vous. Je vais le faire. Mais en plus, quelque chose comme ça, j'ai déjà fait dans le passé, hein, désinstaller mes réseaux sociaux, là. J'ai déjà fait dans le passé. Et pendant genre 3 mois. J'ai désinstallé mes réseaux pendant genre 3 mois. Bref, on va désinstaller ça tout de suite. Mais, les gars, il y a des réseaux que je ne vais pas désinstaller. Par exemple, il y a des réseaux sur lesquels je ne perds pas de temps. Sur WhatsApp, je parle avec la famille, donc là, j'ai pas vraiment besoin de désinstaller WhatsApp. En plus, WhatsApp, je passe genre 10 minutes par jour dessus. Je perds vraiment pas mon temps sur WhatsApp. J'ai même pas beaucoup d'amis là-bas aussi. Donc, on va commencer avec les Big Boss. C'est lesquels les Big Boss? C'est lesquels les Big Boss? Attends, je cherche Instagram là, wesh. Ah ouais, même Instagram, regardez. Vous voyez ici, c'est ma page d'accueil, non? Instagram, je l'ai caché au bout. Pour le faire genre, j'ai pas beaucoup utilisé l'application, mais au final, je l'utilise beaucoup quand même. Bye bye Instagram. Putain de merde. Remove. Supprimer cette application. Delete. Bye. Attends quelques semaines Instagram. Bye. Après Instagram, il y a Snapchat aussi. Ah, Snapchat aussi. Bye Snapchat. Après Snapchat, il y a quoi? Oui, il faut aussi que je fasse le ménage dans mes applications. Il y a trop d'applications inutiles sur mon téléphone. Ah, je pense que c'est. Oh, TikTok! Un des big boss, bro. Comment je vais oublier TikTok? Lui, il l'a installé depuis, mais. Qu'est-ce qui est en train de compte? Les Instagram Reels, bro. Il fait d'installer ça, hein. Ouais. Allô? Ça doit être ça. Oui, est-ce que je peux prendre un lait au chocolat? Delete. Bye, c'est fini. C'est fini. Facebook, ça ne me dérange pas parce que je n'utilise pas beaucoup cette application-là. Ni Messenger, ni WhatsApp. C'est les trois réseaux que je n'utilise pas vraiment beaucoup. Qu'est-ce que tu vas faire de ta journée? Qu'est-ce que je vais faire de mes journées, mes bijoux? Je vais faire plus de vidéos, non? 5 heures. Je vais faire une vidéo à la place. Peut-être c'est la même chose. Si tu regardes des films à la place. Ouais, des films, mais des films plus instructifs pour m'instruire. Ouais. Ou bien juste plus divertissants. Ouais. Et en plus, c'est que quand on est toujours sur les réseaux et tout, notre temps d'attention est plus baissé. Non, notre temps d'attention est élevé. Non. Baisse. Comme, ouais, c'est ça, il baisse. Donc là, on n'arrive même pas à regarder des longs films. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous. Quand vous mettez un film sur Netflix, vous n'arrivez pas à le regarder parce que TikTok, vous êtes habitué à voir des trucs rapidement et vite fait. Donc là, quand vous mettez un film. Non, ça c'est encore pire. Lui, il met un film, les gars, il avance. Il avance jusqu'à 20 minutes. Parce que il regarde, le il avance. Bon. Il regarde, il avance. Parce que ton temps d'attention est trop baissé. Donc là, t'arrives pas à te concentrer pour regarder un film de 1 heure. Donne-moi un peu de jus, s'il te plaît. Juste un petit peu. Merci. Ouais, c'est ça. Je veux enlever les shorts sur YouTube. On peut pas enlever les shorts sur YouTube. On peut enlever ouais. Parce que c'est les suggestions. On enlève juste les suggestions. Et après, là, c'est fini. Mais tes shorts ne vont pas disparaître. T'auras toujours des shorts? Non, j'aurais plus de shorts. Ah. Ils vont dire, réactivez vos suggestions si vous voulez des shorts. Non, j'ai un. Tu m'as dit. Non, mais. Comme tu m'as vraiment donné, les gars, tu m'as donné une chocolatine. Une chocolatine. Donc, les gars, voilà, je l'ai fait. Purée! Qu'est-ce que je vais faire? Ok, mais installe Instagram. Mais Instagram sur Safari. Non! Comment je vais te parler? Tu penses à un message, t'as pas mon numéro? Mais t'envoyer des reels, tout ça. Je veux plus de reels! Des reels importants! Ah, gars, tu me communiques. S'il y a quelque chose d'important, allô Junior, t'as mon numéro. Et s'il y a quelque chose d'important, écris-moi sur Discord ou dans les commentaires. Je vais être là, je vais tout lire. Purée, je vais m'ennuyer, tu penses? Tu penses que je vais m'ennuyer tous les jours? Peut-être. Bon, toi aussi, si tu passes beaucoup de temps sur les réseaux et les réseaux ne seront pas un négatif pour toi si tu les supprimes comme moi. Comme Bijou, je veux dire, parce que lui, il communique avec son équipe et tout. C'est pas négatif. Supprime-le. Ok? Prends une pause des réseaux. Comme, fais autre chose. Quand tu as supprimé les réseaux, tu vas voir que comme tu as plus de temps devant toi. Tu vas voir que le temps, tu en as plus que tout le monde. Parce que tout le monde est sur les réseaux. Donc là, si tu as plus de temps que tout le monde,
t'as de l'avance sur tout le monde parce que tu peux faire autre chose que tout le monde ne fait pas. Tu vois? Ouais, là je suis à fond, là je suis déter là. Vous allez me voir plus actif sur YouTube maintenant. Là je serai plus là parce que j'ai pas de temps à perdre. Genre, j'ai littéralement juste ma caméra et mon téléphone. Et mon téléphone, il n'y a rien dedans. À part. Il n'y a rien, à part YouTube. Likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve pour une autre vidéo, les gars. Allez, peace.